Hello everyone! Welcome to KCC Kitchen! Are you ready for a lovely and exciting program with us? Tonight I am with a very special guest and Miss Cho, Che, sorry. And we're going to be... So we're going to be making tteokguk today with our Zoom participants. Which are looking at us at the moment. Hello, everyone. Unfortunately, you are on mute at the moment for technical reasons. They're waving their hands to us. This is a very special event because Madame Che is going to be cooking with our Zoom participants, tteokguk, and I will be presenting it in English for our Face Live audience. So it's a special event, as I said. I'm going to be talking in English and Madame Che will be explaining everything in French. So it's going to be a very international program. I hope you like it. So let me just introduce myself very shortly. My name is Aileen Gamba. Some of you already know me from some of the videos that I prepared for KCC. I'm very, very interested in Korean culture. So we will be talking about ourselves a little bit more during the show. So now I would like to know about Madame Che. Can you introduce yourself, please? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yoon Jung. En fait, Che, c'est mon nom de famille et je m'appelle Yoon Jung. Je suis coréenne. J'habite en Belgique depuis 12 ans. Je travaille en Belgique ici en tant que chef et aujourd'hui, je suis venue pour vous laisser découvrir un goût coréen qui avec tteokguk. Voilà, donc enchantée. Voilà. Sorry that we cannot hear you at the moment. We will be talking to each other, but you can always raise your hand for our Zoom participants to ask questions or to tell us about your comments. And for the Face Live watchers, I will be watching my Face Live just next to me from my laptop. So don't worry if you have questions or comments, just let us know. I will be picking from time to time when Madame Che is explaining everything. So, and another thing that I have to tell you, I am with Miss Che and we are not wearing masks, but we are trying to keep our distance because of our COVID measures. Don't worry, we used gel for our hands and everything is disinfected. So we are ready for a wonderful show. Are you guys ready? So our Zoom part, yeah, perfect. I can see lovely hands and I can see wonderful little ones joining us, two of them. That's great. Thank you very much for joining us. Now we will start by explaining you the ingredients. So our Zoom participants, if you are ready, let's go over the ingredients that you actually received from KCC. You received a pack full of ingredients that we're going to be using today. So now I'm going to leave everything to Miss Che and enjoy. Je vais parler donc en français et comme tout à l'heure elle a expliqué, moi j'ai tout lavé les mains bien et ici parce que je touche un peu partout et j'ai tout désinfecté donc c'est aussi propre. Bon, on est en Belgique, moi je suis coréenne, je parle coréen très bien. Mais par contre, en français, moi, avec elle en anglais, aussi un peu néerlandais, klein beetje Nederlands ook. Et voilà, on va un peu se débrouiller hein, pour voir comment ça se passe aujourd'hui. Hein. Voilà. Okay. Donc, la recette, c'était, vous avez déjà reçu ça. C'était un menu aujourd'hui qu'on va faire tteokguk. Voilà. But before we start, can I ask why are we cooking this very special soup? Il faut dire à moi en français. Hein? Ah oui, mais, pardon. Mais voilà. Je peux comprendre bien sûr, mais quand même, on a chacun un rôle. Voilà. Donc voilà. Okay, now I'm going to ask her why we are cooking this special soup. It's called tteokguk, and there must be a reason why we are doing it today. So pourquoi? Tteokguk, c'est une. Ici, c'est marqué le titre gros mot, gros lettres, et soupe avec des fines tranches de gâteau de riz, et que vous avez déjà reçu ça, avec ça qu'on va faire. Tteokguk, c'est une donc soupe, grande soupe. En néerlandais, c'est maaltijd soup, donc c'est une portion bien grande pour bien manger. Et ça, on mangeait les jours spéciaux, surtout le jour, premier jour d'une nouvelle année. Donc, ces semaines-ci, c'est selon le calendrier
chinois ou asiatique ou lunaire, c'est le premier jour, c'était dans ce semestre-ci. C'était, je pense que c'est 12-13 février. Ça change chaque année. Voilà, donc aujourd'hui, on a décidé de faire ça, ce plat. Et aussi, voilà. C'est pour ça. Let me just explain to our Face Life audience. The reason why we are doing tteokguk today is it's a very special soup for Koreans or for Asians, I would say, because they eat it on the first day of the New Year, but not our New Year, it's the Lunar New Year. So this year, I think it was about on the 12th or 13th of February. And we said, why don't we take this opportunity to make it with you so that we can start a lovely, a wonderful year. There is also a reason why this soup is special for Koreans and why they eat it on the first day of the lunar year, which Madame Choi is going to explain again. Et la Corée, c'était un pays agricole, donc le riz était très, très important pour nous. Mais c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'on a assez de riz. On avait assez de riz à l'époque. Donc, du riz qu'on consommait déjà au jour très spéciaux. Mais aussi, on devait un peu penser comment on peut bien manger du riz qui est très précieux pour longtemps. Donc, c'était aussi une façon pour conserver quand même un peu différemment. C'est ça qu'on a commencé aussi à faire du riz, une sorte de galette de riz, et comme ça. Mm-hmm. Et le tteokguk, la soupe, pour nous, c'est pas une justement recette, c'est quand même très, allez, comment je vais dire, c'est très important pour notre mental, c'est un peu rituel, un peu, c'est différent. Il y a beaucoup de symboles dedans, symboles dedans. Et le tteok en général, c'est très blanc. Comme vous voyez, c'est déjà, la couleur, c'est très blanche. Donc, on souhaitait, mm-hmm. comme une année, comme la blanche, très propre, donc, de continuer comme ça pour ouvrir, pour entamer une année pareille. Donc, c'était une sorte de propreté, pureté, comme ça, c'était un bon symbole de cette chose. Et puis, deuxième, pour faire un tteok. Mais maintenant, vous voyez la forme ici. Maybe we can show it. Ouais. C'est comme ça. Ou, voilà. C'est un peu la forme ovale, c'est un peu la forme cylindre. Mais pour faire ça, à l'époque, maintenant aussi, comme le tteok, on continue comme ça. Alors, c'est comme ça, prolonge, ça devient long, c'est comme tuyau. C'était comme ça. Donc, on voyait, on voyait que c'est avec le long. Et c'était une idée de longévité. C'était un symbole de longévité, on croit. Voilà, c'est pour ça qu'on mangeait au premier jour. Et puis, c'est un autre symbole, c'est que, bon, à l'époque, donc, avec le format tuyau, qu'on coupait tout droit. Maintenant, un peu ovale, mais tout droit, donc ça rassemble le résultat. C'est comme une. À l'époque, ça rassemble beaucoup comme une monnaie ancienne en Corée aussi. Et donc, imaginez-vous dans une grande boule avec beaucoup de tteok, ça s'appelle tteok, beaucoup de rice cake et un soup. Et pour nous, c'est comme dans une grande boule avec beaucoup de monnaie. Et donc, c'était un symbole de fortune, richesse et prospérité. Voilà. Yeah. Donc, ce n'est pas une recette justement à prendre, mais quand même pour nous, c'est un spécial de plat. Donc, c'est de toute raison qu'on a choisi aujourd'hui pour ce menu, pour le plat. Let me briefly explain for our Face Live audience. Okay. Actually, traditionally, rice is very special for Koreans. And at the time, in the ancient times, they didn't have that much rice. So it was kind of a valuable thing to have rice on your plate. So they were really appreciating anything with rice. Nowadays, of course, they have enough. There's enough amount of rice everywhere. But this is traditional. And the main ingredient is called tteok in Korean. In English, we call it rice cake, but it's not a cake. It's a rice cake.
It's called rice cake, but it's a white, long cake type of thing. And it's very special, and we cut it in slices. And it resembles lots of things, and that's the reason why traditionally they eat it on the first day of Lunar Year. First of all, the color of tok is white, so it resembles purity. So it means that if you eat it on the first day, the whole year will be a beautiful, pure year for you. The second, normally the shape of it is like long and round, and it resembles longevity. So it means that you're going to have a long, beautiful, white life. And the third thing is, again, because of the way they cut it, before they used to cut it really like round. Nowadays you can find them in a cylindrical shape, but that roundness actually resembles the coins, money. It means that you're going to have wealth, lots of money for the year. So that's a great reason to eat tokguk on the first day of the lunar year. Enough about the soup, and let's get started. Our Zoom participants, are you ready? Okay, let's go. Voilà. The ingredients. Bien sûr, il y a un cours à gauche et à droite, une jolie histoire, mais ça, on va raconter en faisant de tous les procédures, étapes. Voilà. Aujourd'hui, on va tout de suite commencer, on va regarder ensemble. Les ingrédients, c'est marqué pour 12 personnes. Et on a besoin de 300 g de gâteau de riz cuit à la vapeur. En fait, c'est celui-ci. Mais on vous a envoyé 500 g complet pour voir au moins ce que c'est comme ça. C'est facile après que vous pouvez aussi acheter au magasin asiatique. Mais on va utiliser aujourd'hui un peu plus que, un peu plus que la moitié. Donc, il ne faut pas mesurer à balance. On ne va pas faire meringue à l'italienne. On va justement prendre 2/3 comme ça. Ça ira. Et puis, et 30 g de anchois séchés. Et je vais ici, anchois séché, je ne sais pas. Ouais, voilà, celui-ci. Et puis, vous voyez, c'est ici dans une boîte, petite céramique. Et ça, je vais faire pour le bouillon. Donc, des anchois. Et puis, 2 feuilles ici d'algues. En fait, je vous ai envoyé comme ça. Oui, ici c'est dedans déjà les algues qui s'appellent en fait c'est tashima. Tashima. Il faut bien marquer parce qu'il ne faut pas mélanger avec l'autre paquet, celui-ci. C'est kim. Voilà, vous voyez, il ne faut pas mélanger. C'est pour ça que j'ai fait ça ensemble. Celui-ci, ça s'appelle tashima. Eh? C'est en général. En français, en Belgique, moi, plutôt j'entendais, c'est plutôt kombu. Kombu, c'est en fait, c'est japonais. Donc, je vais dire, c'est aujourd'hui, c'est le cours de cuisine coréenne, donc je vais dire tashima. C'est plus épais que celui-ci. Ça, on fait en général pour sushi. Mais l'autre, c'est pour faire le bouillon. Oui? Il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, c'est avec anchois séché, ici tashima, on a besoin encore un oignon, et puis oignon de printemps. Il faut, ici, j'ai assez, je vous ai envoyé assez. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il faut, on va utiliser 2/3 pour bouillon. Petit, bon, 2-3, petit morceau. Ça, je vais utiliser pour la décoration. Donc, il faut diviser en 2. Donc, ça, je vais laisser ici. Donc, c'est jusqu'à ici. Hein? Donc, oignon, les anchois, tashima, et c'est oignon de printemps. Et puis, 4 gousses d'ail. Et puis, ici, un morceau de radis blanc. Je vous ai envoyé, vous avez, tout ça va, hein? Ça, vous avez déjà. Hein? Oui? You have all of that. Okay. Oui. Et donc, 6. 6, ça c'est pour bouillon. Et puis, suivante, une feuille de demi-feuille, oui c'est marqué algues séchées, c'est plus fin, c'est plus fin, oui. Ça c'est pour garniture, oui. Et puis, c'est marqué
Ici, justement, une petite correction, c'est marqué suivante. 2 cuillères à soupe de sauce soja, pas de soupe, cuillère à café. Ça, il faut faire une correction vous-même. Oui? Pas 2 cuillères à soupe, hein, 2 cuillères à café. Café de sauce soja. Ici. Et puis. Et un peu d'huile de sésame. Je vous ai aussi tout envoyé. Et puis, du sucre, un peu, du sel et 800 ml d'eau. Et plus alpa, ça veut dire, on va voir, parce qu'à la base, que je vais commencer avec 800 ml d'eau. Mais bon, on ne sait pas, c'est online cours, hein, on ne sait pas. À la maison, la force de feu, hein, chaque maison est différente. Donc, oui, on va commencer 800 ml d'eau. Après, on verra. Et puis, un œuf et 100 g de bœuf haché. Voilà. Ça, c'est le aujourd'hui les ingrédients. Donc, je vais encore vous répéter. 6. Ici, tout, c'est pour faire le bouillon. Et après, 4. Ici, de l'œuf. Et les algues de différents, ça s'appelle kim, et puis un peu de oignon de printemps, et puis un peu de bœuf, 100 g de bœuf. Et ça, c'est les 4 garnitures qu'on va faire. Est-ce que je peux juste dire les ingrédients en anglais? The ingredients in English, if you're interested in making this too. The main ingredients is tok, and we're going to soak them in water, so don't worry. And this has stages. So the first stage is to make the broth. And to make the broth, the ingredients that we need is kelp, anchovies, green onions, one onion, white radish and 4 cloves of garlic. And these are going to be used for making the broth. And then we have other ingredients for the garnish and to complete the meal. We put aside 2-3 pieces of green onions. We need one egg. We need the kim. Be careful, the kim and kelp, they are called both seaweed. But you have to be careful because kelp is a little bit different, and that's the one that we're going to be using to make the broth. Kim is going to be used for decoration. That's the one, that's kim. And then we need a little bit of soy sauce and a little bit of minced meat or ground meat, and just a tiny little bit of sesame oil. So those are the ingredients. And of course, we're going to need some water to soak them and to cook them. The amount will vary because everybody has different stoves. So, but I think it was about, 800 milliliters? Yes, yeah. 800 milliliters of water. So before we start, I would like to ask our participants on Zoom, if they have a question about the ingredients, you can always ask it. Wow, we already have one. Pas de problème. Okay. Oui. Mathilde, pas de problème. Mais vous doublez alors le portion, vous ajoutez encore un peu plus. On verra comment ça va se passer. There was pas de problème. Sorry. There was a question. The question is, we are 4 tonight. Can we double the ingredients and make it 4 servings? Actually, this recipe is for 2 servings. So you can share it with 2 people. If you want to share it with more people, just double it up or do it 3 times more. Okay? Par contre, justement, je vous raconte une petite chose, c'est que ici en Belgique, c'est important pour suivre quand même pour la cuisine européenne, les 500 g de beurre et ça, c'est important. Mais par contre, asiatique, c'est pas si rigoureux, je veux dire. Précise, oui. Non? Et donc, par exemple, aujourd'hui, je vous ai déjà envoyé ça avec les anchovies comme anchois, mais c'est un peu plus que normal. Donc, ne vous inquiétez pas, vous mettez tous, alors ça va être un peu plus, ingrédients plus profonds, le goût. Si c'est un peu moins, ici c'est marqué 30 g d'anchois, mais ok, 25 g, c'est pas du tout grave. Mais bien sûr, 10 g et 2 litres d'eau, ça c'est grave, ça marche pas. Mais 30 g et allez, 9 ml d'eau ou un peu moins, un peu plus, ça c'est pas très grave, oui. Donc, vous ajoutez un peu, ici c'est les références et après vous pouvez encore tester et goûter comment ça va changer, etc.
Madame Che just said that in Korean cuisine, they're not as precise as the European one. We don't precisely say that it's 400 milligrams or something. Sometimes you just go by the nose, you know. You can see if you need more, you can put more, and it's not a huge problem. I think we're ready and we can start. Encore petit pour noter, ustensile, donc il y a une casserole. Je pense que je dois avoir une couverture. Il y a une casserole avec couverture, avec encore des couteaux, des planches, encore des bowls, encore petits bowls, etc., etc. Tant que vous êtes à la cuisine, je ne pense pas que ça ne pose pas beaucoup de questions. Donc, voilà. Il y a des questions? I think there are questions. Let's have a look. There is a type with the anchovies, not a separate pack. Another one is with an anchovy. Vous pouvez me montrer? Marie, can you show it so that we can see what you're talking about, please? Marie. I can see Marie there. Can you show which one you have? The separate pack. Can you hear us? Well, there is a type with the anchovies, not a separate pack. So they were together. Ils ont été ensemble? Je ne sais pas. Oui, c'était ça. C'était ensemble. Ça, c'était ensemble. Ah, d'accord. C'est pour le c'était comme bouillon. Ça. Oui, c'est le bouillon. Donc, on va mettre ensemble. Oui. Thank you. Voilà. Ok. Oui, pour moi, c'est difficile. Tout. Je vais concentrer maintenant pour la cuisine. Voilà. Ok. Donc, première étape, c'est important. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez ouvrir, donc vous mettez 300 g ou 2 tiers, quelque chose, dans l'eau tiède. Voilà. Ça va? The first stage is to put the rice cake in water. Why do we do this? Because if we soak the rice cake for about 20 or 30 minutes, then the rice cake will be chewy and really soft when we cook it and eat it. Comment je sais pas? Ah, désolée! Je l'ai encore dit, mais comment tu sais déjà? C'est génial. En fait, elle cuisine très bien. Donc voilà, j'ai déjà donné beaucoup de réponses. Voilà, elle a déjà raconté. C'est très bien. Pour aller au sauna, aller chaud, c'est mieux d'abord un peu tremper, un peu, hein, pour, avant de faire de sport, c'est mieux un peu, hein, chauffer. Et c'est la même chose. De toc, c'est froid, après dans le bouillon qui bout, et directement, c'est très facile de casser, déchirer et tout ça. Donc, le bouillon va être un peu troublé. Donc, c'est mieux de tremper comme ça, oui. Laissez facilement demi-heure, c'est bon. Vous pouvez laisser comme ça encore jusqu'à lendemain, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux de laisser comme ça. Voilà. Première étape, donc c'est déjà fait. Deuxième étape, on va commencer. Ouais, avec le bouillon. Oui. Oui. Je vais commencer pour la préparation de bouillon. Je vais lire ici. Hein. Donc, 6. Il faut pas oublier 6. Hein. N'oublie pas hein, un peu d'oignon de printemps pour la décoration. Hein. Donc, on va mettre ça. Il faut d'abord... We have to start the stove first. Well, we are starting with the second stage, which is the broth. We're going to make the broth. And to make the broth, we need 6 ingredients that we said. The first one is kelp, anchovies, 4 cloves of garlic, 1 onion, a little bit of white radish, and green onions. So these 6 ingredients will be used to make the broth. Now, Madame Che is going to show you how to prepare the broth. Il faut, il y a encore un petit travail, une petite tâche. Vous voyez, je vais vous montrer encore plus. Vous avez des anchois à peu près cette taille-là. C'est ça? Cette taille-là. Mais normalement, on fait pour le bouillon, c'est cette taille. Ok. C'est la différence, c'est bien. Hein? C'est bien grand, hein? Mais pas de problème, le goût est égal. Je ne pouvais pas trouver cette fois-ci, mais ça, ce n'est pas un problème. Justement, peut-être c'est mieux avoir une lunette pour bien voir. C'est tout. Et aujourd'hui, d'abord, petit travail, c'est que je vais d'abord montrer avec ça. Oui. Vous voyez, ici, j'ai déjà enlevé la tête. La tête, on va mettre dans le bouillon, donc il faut récupérer.
Et vous pouvez ouvrir ici. Donc, vous voyez, ici, c'est les intestins. Vous voyez ça? Oh. Oui, encore un peu plus ici. Yeah. Oui, voilà. Voilà. Oui, il faut enlever ces intestins. C'est noir. Ça, c'était ici dans le ventre. Ça, il faut enlever. Donc, mais c'est pour montrer un grand morceau, mais vous n'avez pas cette taille. C'est pas grave, cette taille, c'est pas grave. Mais quand vous voyez, par exemple, si c'est très petit, bon, ça, c'est pas grave, mais vous enlevez la tête, on récupère, je touche un peu gentiment son ventre. Et on peut ouvrir ici et on enlève ça. Parfait. Voilà, ça c'est mieux d'enlever parce que ici il y a le goût très amer. For the Face Live watchers or for English speaking people, the first thing that we need to do before we put all the ingredients in the water for making the broth is to clean the anchovies. Mm. How we do that is we take off the head of the anchovies and we break it into two. And when you open it, it's like being in the operation room, you see the intestines. So we need to take out the intestines. They don't look that nice. It's like a brown, black color. So all we need to do is take them out. We're going to be using the head and the rest of the body of the anchovies for the broth. So don't throw away the head of it. Yeah. Voilà, donc ça sera peut-être 5 minutes que vous devez maintenant de le faire et je vous attends encore. Entre-temps, peut-être je raconte une petite histoire. Oh, c'est que, serait génial. Oui. Comme la recette de Tokku, c'était quelque chose où on mangeait le jour spécial et le jour de premier jour d'une année. Et ce n'est pas seulement nous, on mange. On va beaucoup inviter le cousin, la cousine et un peu de tout. Donc, évidemment, pour une grande portion, on a beaucoup d'anchois qu'on doit enlever. Hein. Et donc, c'était un peu embêtant. Maman disait aux enfants, « Allez, aux enfants, vous pouvez m'aider !» Comme ça. Et les enfants viennent et après on demande d'enlever le partie noire, bon les intestins secs, sèches, oui, sèches. Oui. Et les enfants demandent, oh, mais c'est quoi maman, et c'est noir, c'est bizarre, c'est quoi, et bon il faut quand même laisser de le faire, donc oui ça c'est caca, on dit. C'est pas un mot, un terme culinaire, hein? Mais par contre, dans la famille en général, en Corée, on dit pas que c'est les intestins, on dit que c'est le caca de anchois. Mais c'est pas vraiment caca, en fait, ça fait pas longtemps en plus que j'ai découvert que c'était les intestins, mais c'est les intestins, on enlève. Okay. Est-ce que je peux traduire ça? Bien sûr. C'est une histoire magnifique. For those of you who are listening, Madame Che was explaining a nice story. Actually, as you know, eating tokguk is a traditional affair, mm-hmm. and we invite lots of family members. So you don't eat it alone, you invite the family, you have cousins, you have nieces. So it's a big family dinner. Of course, it's going to take a toll on the mother to prepare everything on her own, so she wants to share some of the duties. So she wants the children to do the cleaning of the anchovies. But you know, for children, sometimes it's fun, sometimes it's not. And when, especially when they open the anchovies and they see the brown part, they say, "Oh, that's what is it, mommy?" Yeah. And instead of using a very technical term, saying that those are the intestines of the anchovies, the mother chooses to say it's a caca. It's like the little poo-poo of the les anchovies. Enfants. Yeah, the les children. Enfants aiment bien caca, exactly. Pipi, donc voilà. You know how children are. They love talking about caca, pipi all the time. So I think that's fun for them. And it's also a way to include them in the preparation of this lovely soup. So why we are talking about this? Because we are waiting for our Zoom participants
to finish cleaning their anchovies. And whilst we are at it, maybe it will be good to remind all of you that Korean Cultural Center in Brussels is organizing wonderful events. Before the COVID, actually, everything was taking place on the KCC, mm-hmm. Korean Cultural Center Brussels facility, which is wonderful. You have the library, you have the concert hall. What they do here is amazing to promote the Korean culture. Actually, I am taking Korean language courses here. It's been 2 years, that's why I'm very interested in the Korean cuisine and culture. And they organize concerts, traditional music concerts. Sometimes K-pop artists come and perform here as well before their concerts in Brussels. You have lovely exhibitions. And of course, due to COVID, the way of promoting Korean culture had to change. Now we do everything online. So you can actually follow culinary workshops online. And actually there was an online Korean traditional painting course a few days ago, as far as I can remember. We are doing our Korean language courses online. So everything is organized online, but you can still visit the exhibition by making a reservation at Korean Cultural Center Brussels facility. So this is just a little bit of information. And Madame Che is going to continue with preparing the broth. Vous voyez, donc ça prend du temps et c'est pour ça, c'est pour cette raison que maman ne voulait pas et on a appelé les enfants pour aider. Voilà. Et maintenant, mais par contre, maintenant je vois que vous êtes très bien, vous vous occupez de là-bas avec des anchois. Mais quand vous voyez une grande taille, c'est bien. Mais le petit taille, ça c'est pas très grave. Donc maintenant, on va gentiment continuer. Deuxième étape. Just a question, because one of our audience, pardon, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut faire du barbecue avec les intestins. Les intestins. I think they're a little bit too small to make barbecue, but thank you for the comment. Pour barbecue, pour faire le sauce de barbecue ou le barbecue, ben, il est gros, je pense. Si vous aimez bien le goût, on s'amuse bien ici. Hein? Si on aime bien le goût amer, et si c'est pas très bien cuit, si c'est pas grave, mais moi je préfère pas. Ouais, je pense qu'il rigole. Ouais, yeah, if you like the bitter taste, why not? You can try, and they're little, so go for it. But we're not going to be doing that today. So je vois que vous êtes encore vous êtes encore très concentré, donc je vous attends encore 2 minutes. Et je vais raconter encore l'histoire. Voilà, super. Pour faire tteokguk, pour faire une soupe, à l'époque, traditionnellement, à l'époque, on faisait avec le bouillon de faisan. Faisan. Faisan, c'est une autre oiseau, hein, faisan. Mais maintenant, pas vraiment. Et la plupart des cas, on fait avec bœuf ou avec les anchois. Mm-hmm. Et pourquoi aujourd'hui j'ai choisi les anchois séchés? Parce que on utilise beaucoup ça en Corée, mais aussi comme Madame Gamba, tu es pesco-végétarienne? Je ne mange pas la viande. Oui, voilà. Red meat. Et voilà, elle mange pas la viande, et donc j'ai préparé ça. Et aussi, c'est assez spécial peut-être pour vous, parce que le bouillon avec le bœuf, avec le poulet, ça se passe un peu partout, mais ce type de poisson, anchovies séchées, tout ça, c'est assez spécial. Et c'est aussi avec cette raison que j'ai choisi ça. Et donc aujourd'hui, vous pouvez goûter la saveur et de l'intensité de poisson, de goût. Vous pouvez goûter et c'est voilà, on verra qu'est-ce que ça donne. While we were waiting for our participants to get ready their anchovies, Madame Che was trying to explain why she chose to use anchovies for broth. Because traditionally, you can use different types of meat to make your broth or anchovies. And the reason is a little bit
me. But pour moi, c'est bien aussi. Oui, hein. Or people like me, because if you don't like eating meat, red meat, for example, you can do your broth with anchovies. So it's you have a choice. You can do it with meat, so that you can make the meat broth or the anchovies broth. So thank you very much for thinking pas of problème. Meat, so that I can try the soup as well. Voilà. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt ou pas? Are you ready? Our participants? No, not yet. Okay. Mathilde, you have six hands working there. C'est pas du tout grave. Si c'est une petite anchois, ça c'est pas grave. On va avec plaisir, on va goûter. Ça c'est pas grave. Donc I hope our Face Live viewers can see the Zoom participants. They are doing a great job there. I can see some children participating or couples. Claudia, you guys are doing a wonderful job. Hi, Annie. Claudia, hiya. And Mathilde has two children helping her. She's cheating. The others are alone. No, Stéphanie has a friend as well. Je pense qu'Alissa, elle, quand même, elle fait bien parce que je voyais qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Alissa, est-ce que voilà, vous... depuis c'est longtemps. Wow, super! Mathilde, what's the name of your children? They're so lovely. They're so cute. What's your name? Ça va venir. Can you write? Peut-être avec la main. We don't hear you, unfortunately. Plus tard, c'est pas grave. Okay, maybe you can write in the chat that I can see. In the meantime, I would like to thank everyone watching us on Face Live. I'm just having a look from time to time, and you have such wonderful comments. We were not expecting this much of an attention, so thank you very much for watching. And we are waiting for our Zoom participants to finish the cleaning part of the anchovies. Then we will continue with the broth. And in the meantime, let me have a look if you have some questions here. Il y a des questions? Okay, yeah. Il y a beaucoup de participants? Well, we have 36 participants. thank you very much. So that was the question that we answered. Can we cook the anchovies intestines on barbecue? Okay. Oh, somebody says we don't see the Zoom participants. Unfortunately, sorry about that, but they are really working hard. That's all we can say. Voilà. Peut-être, petit à petit, je vais continuer. Et voilà. Et donc, ici, c'est marqué, donc, faire le bouillon. 6, hein? Il faut préparer 6, hein? Avec 6 ingrédients. Faire le bouillon. Ici, c'est marqué, donc, 12e. Sécher légèrement des anchois dans un poêle sèche. Je ne vais pas aujourd'hui utiliser ça, c'est plutôt garniture. Je vais directement utiliser, dans le casserole. Il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est marqué astuce. Premier, c'est que je vais d'abord allumer le feu. Donc, directement dans une casserole, on va faire. Hein? Ce n'est pas nécessaire dans un poêle. Hein? Donc, je vais d'abord chauffer vide. Pas de l'huile, pas d'eau. Avec les anchois. Ça. Oui. Je vais directement mettre ici. Donc, c'est justement sécher. Et pourquoi on va sécher? Parce que, bon, lui, il était... une fois à la mer, de toute sa vie, et après il était dans pêché, après dans un paquet, il est venu jusqu'en Belgique. Donc, ça prend du temps. Entre-temps, il y a toujours autour des anchois, autour de son corps, il y a un peu l'odeur de la mer et quelque chose comme ça autour. Et maintenant, on va légèrement, comme ça, sécher. Je vais dire peut-être griller, sécher, mais pas avec la... on ne va pas laisser vraiment la couleur... Brun, non. On ne va pas griller, non. C'est légèrement dans un casserole qui est rien dedans, qu'on va un peu sécher. Voilà. Okay, for our Face Live viewers, Madame Che put all the anchovies without water or anything, just like that, in the pan, which is already warm.
We're not using any oil or water at this stage. We're just going to dry the anchovies a little bit. She explained that actually all these anchovies, they used to be in the water, the sea, and then they had to travel all the way back to Belgium. So we need to get rid of that smell, the fishy smell. So by doing this, we are removing all that smell so that we will have a wonderful broth. Comme ça, le bouillon, le comment je dis, l'odeur de bouillon, ça sera un peu plus propre et c'est, hein, ça va être quand même un peu fort aussi. Oui, c'est plutôt pour le goût, c'est un peu plus propre, hein, pour moins de goût de l'odeur de poisson qui n'est pas très frais, etc. Ça, on va enlever. Et c'est à peu près le feu moyen comme ça, à peu près une minute, deux minutes. Quelque chose comme ça. Quand vous voyez, c'est assez sec, assez sèche. C'est bien, déjà. Il y a une question. How strong is the fire for the pan? Moi, j'ai, pour tout au début allumé, j'ai fait 6-7. Mais maintenant, c'est 4. Donc, c'est justement pas laisser brûler. Voilà, donc... At the very beginning, when we just started, you can do it a little bit more than the medium heat. But afterwards, like for 2-3 minutes later, you can turn it down to 3-4. We don't want to burn it, obviously. Mais c'est bon, comme ça, c'est déjà, je vois que c'est plus sec qu'avant, donc c'est déjà bien. You can see that it's already a little bit more dry. Et puis, donc ici, on va mettre, c'est marqué, donc, les anchois, et puis, ajouter... 800 millilitres d'eau. So we are adding 800 milliliters of water. Ouais. Je laisse, j'ai mis un peu plus. Et puis, je mets, donc, c'est à peu près comme ça. Hein? C'est, je pense que c'est la taille de 1 euro. C'est bien. Il n'y a pas du tout grand problème si... comment remplacer par justement poireau, c'est aussi, il n'y a pas de problème. C'est justement, je mets, c'est marqué aujourd'hui oignon de printemps et comme ça, c'est un ingrédient au lieu d'un court divisé. Mais c'est bien, comme ça à peu près, je mets dedans. Et puis, ici, tashima, c'est, ça s'appelle tashima. Je ne sais pas combien de vous avez reçu. C'est 3, 4, 5. Vous pouvez mettre ça dedans. Moi, je marquais 4. Et puis, 4 gousses d'ail. C'est un grand. Et alors, je vais un peu couper des... Pardon. Ouais. Voilà. Et puis... L'ail, bon, vous pouvez mettre aussi directement, mais pour infuser un peu plus vite que possible, je coupe. En français, c'est dégrossi. By the way, we have a question from Ludo, who is watching us on FaceLive. Thank you very much, Ludo. He's asking if we can use a substitute for anchovies, which you actually replied the question before. For the broth, pour les bouillons, excuse-moi, on a une question. Pour les bouillons, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'autre de anchois? Donc, vous avez déjà dit qu'on peut utiliser le... C'est ça pour... Yeah. Oui, pourquoi pas. Mais je ne vais pas mettre... alors, vous pouvez garder poulet avec les ingrédients parés. Bah, alors, je vais enlever quasiment les produits qui viennent de la mer. Parce que c'est maintenant, il y a déjà 12 choses qui viennent de mer. Alors, je vais enlever. Mais je mettrai alors un poulet. Mais de préférence, poulet qui a, avec l'os. Oui, parce que c'est le fond de volaille qu'on fait ici, c'est jamais avec seulement avec la poitrine. Hein, c'est toujours avec des os. Et donc, avec ça... Et, poireau, avec l'ail, avec un peu de radis, oui, quelque chose comme ça. Alors, ça va être le bouillon de poulet. Oui, pourquoi pas? C'est une bonne question, mais j'ai jamais fait. Ton cook, c'est souvent, honnêtement, avec du bœuf ou avec les anchois. Ça, c'est la façon la plus populaire et quotidienne en Corée. So, thank you very much, Ludo, for your question. Keep your questions coming, please, if you want to know. Wow, okay, we have another question here, let me tell you. Hi, vous ne pouvez pas m'attendre, ce n'est pas grave. On va un peu couper pour que c'est facilement... Je vais un peu... Je coupe en fait différemment, mais
c'est pas très grave parce que on va pas récupérer des ingrédients ici. Bah, aujourd'hui, je coupe. Voilà. Et puis donc le radis, on met. Voilà. Donc pour le bouillon, 6. Hein? Donc j'ai mis tout dedans et on va commencer à laisser porter à l'ébullition. Donc on va Volumbach. Let me briefly explain for the viewers. Madame Che has put all the ingredients by chopping them in the water, and we're going to bring them into boil, and then we're going to sift them. So don't worry about chopping them finely or big. I mean, medium size would be fine because we're going to sift them and you're not going to have any of the ingredients in your broth, okay? Oui. Donc, en fait, tout dedans. Maintenant, on va bouillir pendant demi-heure. Mais on ne va pas bouillir demi-heure pendant le feu très fort. D'abord, on va laisser jusqu'au moment on va porter l'ébullition. On bouille jusqu'à 100 degrés. Après, on va baisser peut-être pour moi. Ici, c'est le feu 3, par exemple, à peu près. Et on va laisser continuer à faire mijoter pendant demi-heure. Et comme ça. Et comme ça, le bouillon est prêt. Oui. Okay. J'ai fermé donc avec une couvercle. Super. Voilà. First, we're going to bring it to boil in high heat, I would say. And then, when it's boiled, we're going to let it simmer for about half an hour, I guess. Yeah. So, for that, you have to turn the heater a little bit down, like medium. Okay. Are there any questions, our lovely participants? It's wonderful to see you guys working so hard. Je vais peut-être une fois montrer comme ça. Perfect. Voilà. Now you can see our lovely participants of Zoom. Because I had a remark on Face Live, they were saying, we cannot see the lovely participants for your Zoom session. Now you can. Donc, Face Live, eux, ils peuvent nous voir, c'est ça. Hein? Okay. Can we just wave to everyone watching us? Our lovely participants, Claudia, Joyline. Wow, thank you. Alessandra, Bongard, Stephanie, Marie, Asya, Jihen, and Mathilde, Alisa. Thank you very much, Laura. That's great that you are participating. We are very happy to have you. It's great to be in KCC kitchen and to be able to see your kitchen as well. Perfect. Voilà, ici c'est marqué donc 12e étape. Ici, quand l'eau bout, diminue le feu et faire mijoter pendant demi-heure. Donc voilà, c'est parti le bouillon. On laisse comme ça. De temps en temps, un peu regarder si ça déborde, c'est un peu catastrophe. Donc de temps en temps, un peu regarder, mais vous laissez comme ça. Okay. Don't forget to have a look when the broth is boiling. You don't want everything to spill everywhere. So from time to time, just open the lid and have a look. Don't forget, the lid has to be covered. So, you know, it has to be on your pot. So it's going to boil. But from time to time, just have a look if it's going to spill or not. Okay, let me have a look. By the way, I really have to thank our Face Live viewers. They have been sending us hearts or smileys, and they are so lovely. I mean, it's great to be here. We are very, very excited because it's the first time, actually, KCC is doing something like this. They have been organizing Zoom sessions, but not a Face Live session that allows you guys to watch the Zoom session. So. On a fait quelque chose de très spécial aujourd'hui, oui. Génial. Voilà, vous voyez, maintenant, ça commence à bouillir. C'est pas grave parce que c'est pas du tout grave parce qu'on va justement filtrer, on va récupérer le bouillon. Donc, les ingrédients dedans, on va pas récupérer. Donc, maintenant, ça commence à bouillir. Je vais un peu baissé. Je vais laisser 3.
de la Fox. Ici, c'est 1000 induction, mais je ne sais pas chez vous. Donc, c'est un peu moins middle, hein, je veux dire. Just for the information, voilà. When the broth started boiling, you have to bring the heat down a little bit less than medium heat, actually. It kind of depends on what kind of a stove we have. You have. We have an induction here, so Madame Che is going for the third level or fourth level. If you have a gas stove, you will have to judge it depending on your stove. Mm-hmm. But it has to be a little bit less than the medium heat. Okay. Voilà. Voilà. Ça va? Jusqu'à maintenant, c'est bien? Do we have any questions? Okay. Wow, I can see the thumbs up. Thank you, yeah. Guys. Ça, c'est le meilleur signe pour l'instant. We are. Look. Regarde. Okay. J'avais coupé l'ail en morceaux. L'ail en morceaux. Oh, l'ail, vous pouvez mettre comme ça ou un peu moins, mais pas ciselé ou pas émoncé. C'est pas nécessaire, mais ça va pas changer le goût beaucoup. Mais ça, j'ai coupé parce que, bon, on va bouillir ça demi-heure. Donc, c'est pour la vitesse hein, que j'ai coupé. C'est comme vous voulez, pas de problème. Mais je vais pas mettre l'oignon comme ça directement. Hein. Ça prend plus de temps. Hein. Ça va? Donc, bouillon, c'est parti. Donc, on va continuer. Donc, je vous ai dit 6, c'était les ingrédients pour bouillon. Mm-hmm. Ici, on va mettre 4 garnitures. Garniture, c'est l'œuf et kim. Et puis, c'est marqué ici? Oui. Oui, oui. Et puis, poireau, non, c'est poireau. Oui, oui, oui. Oignon de printemps et ici, bœuf haché. Ouais. Vous pouvez utiliser bœuf émincé ou bœuf coupé, en dés, en julienne, c'est comme vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai amené ça haché et comme ça, c'est vite et c'est facile. On ne doit pas beaucoup couper, encore laver et tout ça. Oui? Just briefly, yeah. Let me explain what we're doing next. The next stage is when we are waiting for the broth to be done and for the tock to be soaked in the water. We're going to do the garnish. And for that, as we explained before, we're going to use one egg, green onions, the seaweed, the ground beef, a little bit of soy sauce, a little bit of sesame oil. So right. Now we're going to cook them in a frying pan. Je vais vous laisser normalement quatrième, donc on va commencer par la crêpe d'œuf. Ah, ok. Oui, mais est-ce que... oui. Et on peut cinquième, donc marinade au bœuf. Et après, sixième, c'est coupé poireau, oignon, printemps. Et puis, kim, qui est déjà coupé. J'ai déjà tout coupé avant de vous envoyer. Donc, ça, c'est qu'on va faire. Et ici, je vais d'abord commencer marinade au bœuf. Et comme ça, on va gagner un peu de temps. C'est très facile. Bœuf, et puis 100 grammes, une cuillère à sauce soja, directement, je mettais un tout petit plus, une cuillère de sauce, et puis tout petit, l'huile de sésame, et puis... Le sucre, ça, c'est pas marqué, mais je vais mettre le sucre. Aussi, allez, je pense que c'est la moitié de cuillère à café ou quelque chose. Si vous mettez un tout petit plus, c'est pas grave. Un petit moins, c'est pas grave. Voilà, un petit du sucre. Et après, on mélange. By the way, I was just going to say something because somebody on Face Live is complaining that us lovely participants on Face Live are here too. So I've been calling my Zoom participants lovely Zoom participants. Of course, our Face Live participants are lovely as well. there's a little bit of a competition here in between the Zoom participants and the FaceLive. I'm sorry, I'm trying to, you know, have a look at here and follow. So if I'm forgetting you for about 2 minutes, don't worry, I'll come back. Voilà, on continue. En tout cas, on doit d'office attendre demi-heure, donc oui, on c'est va ça. Être à l'aise pour commencer. Donc bœuf, on va faire un peu plus tard. Et on va sauter les crêpes d'œuf, mais maintenant on s'occupe un œuf. Normalement, j'allais faire ça, on fait deux façons en Corée. Okay. Première façon,
Vous écoutez bien. Première façon, c'est que on va justement casser et un peu battre. Mm-hmm. Et après, quand tout est terminé, on incorpore autour de soupe et directement l'œuf dedans. Ça, ça marche. Donc, les gens aujourd'hui, oh moi cuisiner, non, c'est pas mes affaires, c'est très difficile, je vais pas aujourd'hui faire trop difficile. Alors vous attendez encore l'œuf, vous attendez. Mm-hmm. Oui. Mais je suis en fait presque professionnelle. Je vais quand même, pas de souci, 5 minutes, je peux tout terminer, pas de problème. On va faire ensemble avec moi pour faire une crêpe d'œuf. Mm-hmm. Ça va? Mm-hmm. Donc maintenant, vous pouvez décider comment vous faites. Yeah? Okay. Donc, crêpes, qui vous faire des crêpes? Let us see your hands, Zoom participants. Ooh. And let us see your hearts, face live participants. C'est vrai? C'est vrai? Ok, je vais vous montrer. Est-ce que je peux okay. juste expliquer ouais. Avant qu'on commence? Actually, we have two options to make the egg. If you're feeling a little bit lazy and you don't want to spend time, the first option is just break the egg, beat it a little bit, and at the end of the preparations, just pour the egg in the broth. But if you have time and if you want to have a lovely garnish, if you want to have a lovely decoration for your tteokguk, you can make the pancake with the egg, which our participants decided to do. So, voilà, ok. Madame Chen is showing you how to do that. En fait, c'est une technique pas très difficile. Ok. Mais voilà, j'ai cassé un œuf. Mm-hmm. Je vais battre comme ça. Mm. Allez. Avec les baguettes. J'ai mis un peu, un tout petit du sel, voilà. Ça, on cuit un œuf dans une poêle comme ça. Et j'ai déjà mis le feu 6 ici, induction. Oui. J'utilise l'huile de tournesol aujourd'hui. Voilà, l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive et l'huile qui n'a pas très parfumée. Hein. Mm-hmm. C'est tout, ça passe bien. Et tout petit. So we're going to use a sizzle of yeah. sunflower oil. You can also use olive oil or other vegetable oils as well. Make sure that it's not a very strong yeah. oil. So. Entre-temps, j'ai augmenté encore la fox parce que c'est un peu lente. On va d'abord un peu chauffer, hein. Voilà, et ici, si c'est assez poêlé, assez chaud, je vais vous montrer. Ici, il y a un peu l'huile, mais je vais faire un peu comme ça, éparpillé. Que ça, c'est un peu partout égal. Si c'est trop d'huile, non, alors vous prenez une... Kitchen towel. Kitchen towel. Je ne sais pas, cooking bowl and kitchen towel. And the French one. Tout à coup, ça ne marche pas. Mais avec ça, un peu comment enlever, ce n'est pas grave. Ah, ok. Oui. Mais en tout cas, pas trop d'huile. Si c'est assez chaud, je vais un peu baisser. Je vais faire. Voilà. Et gentiment, tout. So to make the garnish, we just used a sizzle of vegetable oil. Today we are using sunflower oil. And when it's too warm, and if you feel like the oil is a little bit too much, you can just wipe off the excess with a kitchen towel. And then put the mixture, egg mixture, in the pan, frying pan, and try to have it evenly distributed on the frying pan. Voilà. So we're going to cook one side and the other side, and then it's going to be ready. It's not actually, c'est pas vraiment non, difficile. C'est pas difficile, non plus, hein. Mais le petit technique, en fait, j'ai utilisé que un œuf. Ah, un œuf. Donc, c'est possible que c'est très
affine le crêpe. Donc avec ça, pour avec une petite spatule, etc., ça va déchirer, ça va très vite casser aussi. Donc si le moment que c'est un moitié, plus que la moitié cuite, je tourne avec une baguette. Tu sais de le faire. J'ai fait une fois, oui? Mais je laisse à vous. Vous êtes le chef aujourd'hui, donc. Je fais qu'un œuf, hein? Regardez bien. Ok. Ah, j'espère que ça... J'ai déjà préparé. Voilà. So exciting. Maintenant... Et ici, vous voyez, au bord, c'est avec l'huile, c'est déjà un peu, ça détache facilement. Et je tiens, et des baguettes. On met au milieu, ici, et je tourne, voilà. Super. Wonderful job. Vous avez déjà vu? Très bien fait. Sinon, vous pouvez ramasser aussi, je ne sais pas. Ça marche? Maybe they can flip. En tout cas, ce n'est pas du tout difficile, mais le but, c'est que on va, le plus joli que possible, on va tout couper, hein, pas de problème, mais je ne vais pas déchirer, je laisse comme ça. En fait, j'ai une question. Oui. Moi, j'aime les œufs. Donc, est-ce qu'on peut utiliser plus qu'un? Bien sûr. Merci. Bien sûr. C'est ce que je voulais faire. I love eggs, so I asked if you could use more eggs because I'm really, really into eggs. And she said, yeah, why not? You will have more garnish. Perfect. Alors, ça sera une soupe de gâteau de riz et des œufs. Voilà. Ici. J'ai déjà préparé, mes mains sont propres, et j'ai déjà préparé, voilà, c'est comme ça. C'est si fin, et après ça, on va couper. Donc, ici, vous voyez, je fais quelque chose comme ça, hein? En fait, c'est pour tamisser, hein? Mais j'utilise l'envex pour que, c'est comme ça, toujours. J'utilise avec, parce que sinon ça déchire aussi et toujours ça je supporte. Voilà, comme ça et je tourne. Et ici il y a des trous, donc ça va sécher aussi vite. So our egg pancake yeah, voilà. is ready. So we're just leaving it to cool down so that we can cut it nicely and evenly. We're just going to put it aside for a couple of minutes. As you can see, we are already waiting for our broth to be ready and the tok to be soaked. So we are actually preparing different stages and we're going to get them together and our lovely tokuk will be ready soon. Par contre, pas de panique, pas de problème. Oh, c'est déchiré, il n'y a qu'un œuf, ça ne marche pas, etc. Pas de problème. À la maison, ça c'est bien sûr, c'est une garniture, c'est très joli. Donc on fait mais à la maison, qu'on bat justement et après on met dans le soupe directement. Ça aussi, ça marche très bien. Donc c'est deux façons qu'on fait à la maison. Ok. Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chef, je sais, mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose d'autre? Oui, pourquoi pas? Je travaille, donc j'habite en Belgique depuis 12 ans, à Gand. Maintenant, j'habite à Gand. Donc, ik kan ook spreken een klein beetje Nederlands, maar vandaag is in het Frans. Donc, j'habite en Belgique depuis 12 ans. À Gand. Je travaille maintenant depuis officiellement 3 ans en tant que chef en Belgique. Donc, je donne le cours, workshop, et aussi je travaille de temps en temps les gens qui m'appellent. Chef, j'aimerais bien organiser quelque chose à la maison. Et quand même, la vraie cuisine coréenne authentique que je veux goûter, alors je serai là aussi. Perfect. Madame Che actually lives in Ghent and she's a cook and she's specialized in Korean cuisine. So she's officially giving Korean culinary workshops, but also she's organizing special events if you invite her to cook traditional Korean cuisine. C'est pas forcément coréen parce que j'ai suivi aussi des cours de cuisine en Belgique. Donc, j'ai terminé sous chef et je suis en train de suivre tous les cours d'être chef. Donc,
Bon, tout ce qui est ça, voilà, je suis là dans ce domaine. It means that you have more choices. She's not only doing Korean cuisine, she does other cuisines as well, other dishes. So if you need someone to cook lovely, delicious dishes for you, for your special events, there she is. Voilà. Mais les informations après, on va parler plus tard. Okay. Sauf que maintenant, je vais plutôt... Mon but aujourd'hui, c'est très bien fait. Donc, on va voir. Donc, le crêpe est terminé. On va vite faire. On va utiliser même poil. Il ne faut pas encore essuyer ou non. On va utiliser comme ça. On va encore de nouveau chauffer. Et puis, ce qu'on a mariné, bœuf, on va tout de suite mettre dedans, hein, cuit dedans. Ce n'est pas mettre de l'huile ou non. Il y a quand même un peu de traces de l'huile tout à l'heure qu'on a utilisée pour l'œuf. Et puis, il y a l'huile de sésame. Donc, on va directement cuire. Oui, voilà. Now we're preparing the ground beef. You can actually fry it in the frying pan that we use for the egg. Madame Che actually prepared the garnish with a little bit of sesame oil and soy sauce. So she just mixed it with the these two with the ground beef, and now she's cooking that. And I think it's going to be ready pretty soon. Right. By the way, somebody says, our Zoom participants say, can we receive her details? Wow. Oui. Les gens, oui. Ils ont intéressé déjà. Oui. Et aussi, je voulais dire quelque chose. My Face Live audience, Luke, says we are even more lovely. You are all lovely. And you are very special to us because you are participating this wonderful event. It's the first time for us. We are extremely excited. A little bit nervous as well. I hope we are doing a good job. And we hope that you are enjoying it as well. And wow. And somebody said that it's... my husband Mark loves Chef Che's chopstick magic. Ah! Oui, lots c'est of pas, love. Je comprends, c'est pas très évident pour utiliser, mais chez nous c'est. Thank comme you very much, chef. Voilà. Ici, si c'est le feu est trop fort, vous baissez un peu, mais c'est simplement un peu cuit la viande, c'est simple. C'est pas avec sous vide, c'est pas avec avec une technique spéciale, c'est justement cuit. I also have to remind you that the reason why I'm trying to stay a little bit far away from Madame Che is not because I don't like the way she does the things. It's just that due to COVID measurements, we have to keep our distance and we're trying our best to comply with all the COVID measurements. And don't worry, before the show started, we made sure that all the measurements are taken. And yeah. Voilà, c'est presque terminé pour moi. And how about you guys? Where can we buy Talk in Brussels? I have a reply for that. I don't even have to ask Madame Che, because we actually made two videos about where you can buy and where you can buy the Korean ingredients for your Korean dishes. You can always check the Facebook page of Korean Culture Center Brussels, or they have a YouTube page as well, or Instagram. There you can see two videos where we talked about the ingredients and how we use them in what kind of Korean dishes. It's actually, for some of you, somebody already replied, it's called Shilla and it's in Odergam. It's very close to my place, I'm very lucky. And you can find many traditional Korean ingredients there. It's a great supermarket. Voilà. Oui. Je pense que à Gand aussi il y a quelques supermarkets asiatiques. Mm-hmm. Et puis à Bruxelles et les restos, je ne sais pas très bien. Je ne connais pas très bien. Also, you can find in big supermarkets like big Carrefour some sections for different countries, and there is also a section for Asian food, Asian ingredients. Some of the Korean ingredients you can find there, but not all of them.
So I think talk you can only find in Shilla or in specifically Asian markets, not Carrefour. I haven't seen it myself. Right. But you can find the soy sauce or sesame oil, those kind of ingredients you can find in Carrefour as well. Ouais. Okay. Voilà, entre-temps, on laisse bouillir toujours. Si vous voyez, selon la comme fox de votre cuisine de feu, vous pouvez un peu augmenter et un peu laisser. Moi, je laisse un petit, frémissant. Mm-hmm. Ça, c'est un petit bulle qui sort et je laisse comme ça encore. Normalement, si je dois utiliser ça le lendemain, je fais ça d'avance et je vais utiliser le jour après. Mais comme aujourd'hui, on n'a que 2 heures, donc ça marche aussi. Donc, on va voir. Ici, dans la recette, astuce premier, c'était enlever les intestins et après un peu sécher et griller. C'était le premier. Et c'est marqué ici, 12e astuce, faire le bouillon, c'est faire mijoter pendant 1/2 heure. C'est ça, c'est marqué. C'était 12e, je n'ai pas encore raconté. C'est que vous voyez qu'on a mis ça. That's kelp in English. Yeah. Kelp in English. En français, en fait, c'est un peu difficile de trouver le mot. Et vous avez une idée, ça, en français? C'est kombu, c'est en japonais. Mm. Ou varek, c'était différentes formes. Je ne sais pas, en fait. Donc, j'appelle à partir de maintenant tashima, en coréen. Tashima, ça, je vais enlever. Et pourquoi? C'est déjà 20 minutes. Je laisse 20 minutes, quelque chose, demi-heure. Si je laisse comme ça jusqu'à demain, bah sûrement j'enlève. Mm. Pourquoi? C'est parce que lorsque le dashima est trempé dans l'eau, c'est le technique du mot, l'acide alginique s'échappe. Ah, okay. Donc ça, si plus qu'on met dans l'eau, et ça, l'eau ou le bouillon devient un peu plus glissant, un peu, je ne vais pas dire gélatineux, mais vous voyez, c'est quelque chose qui colle comme le blanc d'œuf. Et donc, il a bien déjà travaillé 20 minutes. Donc, je vais sortir. Je vais enlever ça. Pour que le bouillon soit très pur. Hein. Madame Chi, sorry. Ça, c'était le 12e astuce. Tips. Okay. Madame Che was giving you a tip that we need to take out the kelp because it will, if you leave it for too long, that will give kind of an acidic reaction and that will make the broth a little bit too slippery. We don't know how to call it, but it's like it will become like a glue that you don't want that texture. So to avoid that, after 20 minutes, take out the kelp and let the broth simmer another 10 minutes. Ouais. Moi, je ne suis pas francophone, donc j'ai cherché vraiment comment ça s'appelle et c'est marqué, c'était le muscus. Le muscus, ok. Mais je ne sais pas si c'est vraiment correct. In notre Netherlands, denk ik, c'est slem. Une sorte slem, denk ik. It's like mucus. Yeah. Donc, voilà. Ça, pour éviter, avec cette texture, je vais enlever déjà. Donc, When I say you guys are lovely, you guys are really lovely because you're writing such lovely things. Ludo says, by the way, not a question, but can we acknowledge how well they are doing? They're so natural for it being the first time this happens this way. Thank you very much, Ludo. I'm so happy it's on Face Live. Thank you very much. I mean, it's so nice of you to appreciate it. We appreciate you guys participating as well. So we're having fun here. I hope you guys are having fun in the kitchen or when you are watching us on live. C'est bien. C'est bien. On a presque fini, je pense. Hein? Oui, oui. C'est pas très compliqué. Et maintenant, on va dire qu'on a passé facilement 1/2 heure. Donc, le bouillon, c'est déjà presque prêt. Vous pouvez laisser 1 heure aussi, pas de problème. On doit enlever la shima? Tashima. 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 Oui.
Oui, il faut enlever le tashima. Je laisse demi-heure, quelque chose comme ça. Ou c'est pas très grave, laisser une heure, mais sûrement pas jusqu'à le lendemain. Ok. Ouais, parce que ça va un tout petit. Si vous gardez encore une, vous mettez dans l'eau un petit pot à part. Vous voyez lendemain comment ça passe et ça c'est comme un peu blanc d'œuf et ça change beaucoup. Donc maintenant j'ai enlevé et maintenant on va justement récupérer ce bouillon. On va justement récupérer et soit vous utilisez chinois ou comme passo chinois ou bien vous pouvez aussi utiliser par exemple une louche perforée. Mm-hmm. C'est comme vous voulez, pas de problème. Mais moi, c'est plus facile. Alors, je verse tout. Et puis, il y a quand même un tout petit jus qui sort. Je vais un peu récupérer jusqu'au bout le bouillon. Voilà. C'est dommage pour jeter. Oui. Pour moi, au moins. By the way, some of our Face Live viewers suggested some supermarkets where you can find Korean ingredients. I would like to read some of them. Caroline said in Louvain-la-Neuve and Var, you can find. Supermarkets. Also, Ludo says there is a big store between in Brussels between Anspach and St. Catherine. That's great news, and I'm sure you can find those ingredients there. And Madame Che right now just sifted the broth, and we just have the broth. All the ingredients to prepare the broth we have taken away. So, yeah. Voilà. Donc. Le bouillon est prêt, c'est que je vais dire le bouillon filtré et le bouillon clarifié, voilà. Et j'ai déjà fait à la maison, voilà, cette couleur, c'est, vous voyez, c'est... Madame Che is showing you the broth that she actually prepared before. It has that kind of a consistency and color. That's what we are aiming to reach. Voilà. Et donc, je vais encore de nouveau bouillir parce mm-hmm. qu'après, ici, directement, on va mettre rice cake, de gâteau de riz. Donc, je vais continuer encore garder chaud comme ça. Et maintenant, on va vite couper les garnitures qu'on a fait. Et donc, viande est déjà faite, bien. Il y a des kim, c'est comment on fait ceci. Ça, j'ai déjà coupé. Vous avez, c'est déjà fait, hein. J'étais gentille, hein. Well ça. Prepared, let's voilà. say. Et puis, troisième, qui reste, j'ai dit quatre, et poireau, oignon de printemps, mm-hmm. et puis crêpes. Et je vais d'abord couper, par exemple, celui-ci, très fin. Vous pouvez choisir, soit couper, par exemple, en trois, et puis je vais superposer, et je coupe en julienne. Donc, tout bien au milieu, je coupe. Très finement. Voilà. Donc, ça sera comme ça que j'ai coupé. Vous pouvez faire comme ça ou bien je vais laisser ici. C'est comme vous voulez, le façon c'est très libre. Hein? Ou bien, j'ai encore 12e,
je vais rouler. Moi, je veux long. Je veux comme nouilles, comme noodle. Hein? C'est comme on veut. Et je vais bien rouler comme ça. Et puis, je vais ici d'abord laisser à côté. Voilà, comme ça, rouler. Je vais couper aussi très finement. Madame Che is showing you how to cut the egg pancake. Actually, there are two ways you can do it. You can just cut the pancake in different pieces and then cut them in julienne, in a French way, little slices. Or if you want them to look like noodles in your as a decoration in your tteokguk, you can roll the pancake, egg pancake, and then cut them in slices, very tiny, thin slices. And at the end, you're going to have longer pieces that will look like noodles. It's all up to you. It's for decoration at the end of the day, so you will have to decide for yourself. Et bon, avant de commencer une session pareille, bien sûr, je prépare déjà bien au cas où ça et ça et ça. Et j'ai aussi, par exemple, coupé un peu différemment. C'est que, par exemple, ça aussi, c'est comme vous voulez. Comme ça aussi, j'ai fait. As you can see, you can cut them in chunks, like pieces. It's all up to you, actually. It's how you want to decorate your cook. Voilà. Et ça, j'ai bien sûr fait un crêpe blanc et jaune séparément, même façon, un peu de sel, cuit séparément. Voilà. Okay. Avec ça, que j'ai coupé comme ça. If you have the time and the patience, you can actually prepare the egg pancake separately. Like you can do the white part first, and then you can do the yellow part, and then you can decorate it with two different colors. Right. Again, it's all up to you. It's all up to how much time you have, how much patience you have. So. Et aussi également séparé et comme ça. Perfect. She prepared before hand so that she could show you. Thank you very much. Merci. Hein? Vous avez travaillé beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps pour moi. C'est pas du tout grave. Et puis, dernier garniture. On a gardé encore un morceau de oignon de poireau, de oignon de printemps. Et je vais couper en rondelle ou un peu comme style ovale, c'est comme vous voulez. Mais moi, je vais plutôt couper comme le tteok, comme le rice cake, avec des formes, avec de formes, ça, ce forme. Donc, moi, je vais couper, ici, je laisse, et puis, we are chopping the green onions. It actually depends on how you would like them to look on your tteokguk. You can have them in really thin rolls, or you can cut them a little bit diagonally so that they look nicer. Again, all up to you. Madame Che chose to cut it this way. Voilà, j'ai coupé comme ça. Et presque prête. Il y a encore réaction? They are wonderful. They're asking me, are you going to make a Turkish food? By the way, I'm originally Turkish and I have some fans apparently watching. Because maybe it's a good time to talk about a little bit of myself, why I am here, what am I doing not being a Korean, what am I doing in the cooking workshop. Actually, I'm very interested in Korean culture and I've been learning Korean for the last 2 years. I'm trying to learn Korean for the last 2 years. And I think it was in June 2020 that the Korean Culture Center organized a competition about what we are doing
at home when we were in lockdown. So I prepared a Korean dish, japchae, and actually I was not the winner, unfortunately, because I wanted to go to Korea, but I was the third one, and I'm really, really happy about it because my son was really proud of me. Ça, je savais pas. Oui, c'est ce que j'ai fait. And then, of course, I have my YouTube channel as well, Cook and Scoop, if you would like to have a look at that as well. I'm mainly making videos about the food that I cook at home for me, for my family, and actually for my students, because I'm a teacher as well. I'm teaching Turkish and English. So, you know, I just wanted to give them a taste of the Turkish culture as well, not only the language. So that's how I ended up being in the Korean Culture Center kitchen with Madame Che, cooking tteokguk with you guys. That's my story. C'est pas d'ailleurs une session, hein. C'est la semaine prochaine qu'on a encore une autre session. Oui, let's not forget that, because next week, on the 24th of February, at 5:30 again, we have another workshop where we're going to be making a very famous and a very special thing. Kimchi! We're going to make kimchi. So don't forget to join us next week on the 24th of February to join Madame Che to teach us how to make kimchi together. Okay? Oui. That's great. Voilà. Maintenant, je vois que vous êtes plus ou moins prêtes. Mm-hmm. Ça va, tout le monde? Oui? C'est bien? We would like to see the thumbs up. Perfect. Thank you. Thank you very much. De nouveau. Wow. Je vais commencer. Woohoo, thank you, Alejandra. Oh, c'est chouette. Oh, oui, ils ont un magnifique nez, n'est-ce pas? Et donc, de nouveau, je vais chauffer le bouillon. Donc, le bouillon est très puré, très. Mais qu'il n'y a pas encore assez de sel. Hein. Donc, on va maintenant commencer. Maintenant, du riz. On va mettre. Qui est ici, dans, qui était dans l'eau. On va mettre directement dedans. So the broth is ready and we are putting the rice cake, sliced rice cake, directly in the broth. Voilà. Et puis, on va commencer, mettre le feu un peu plus fort. Et puis, n'oublie pas maintenant ici qu'on doit de temps en temps remuer. Parce que sinon, le gâteau de riz, le toc, va coller complètement au fond de casserole. Okay. Donc, il faut un peu... Remuer. All right. We took the heat up to the high heat, and then don't forget to stir it from time to time because you don't want that tok to go down and stick to the bottom of your pot. So don't forget to stir it from time to time. Les gens qui ont tous réussi des crêpes, donc aujourd'hui, je vais pas mettre directement l'œuf ici dedans, mais si j'ai pas du temps, mais quand même je veux mettre, alors c'est très facile maintenant. On va battre un œuf. Mm-hmm. Après, ici, on va gentiment mettre dedans autour de soupe. Mm-hmm. Et comme ça, l'œuf est dedans et c'est bien cuit et c'est agréable de manger. Pas de souci. Mais aujourd'hui, comme vous êtes tous volontairement, vous êtes tous crêpes. Et alors, je ne vais pas le faire. Super. Just a little information for those of you who doesn't have the time or the patience to do the egg pancake, let's say, you can. We said that you can actually add the beaten egg afterwards in the broth directly. It is time to do that if you are going for that option. But if you want to make the pancake, so you want to garnish it afterwards, just wait. Et puis, je peux parler? Oui, oui. Oui. Et puis. Parce que comme les tocs étaient dans l'eau, donc ça ne va pas prendre longtemps. C'est presque cuit, je pense. Et puis maintenant, on va assaisonner. Et je vais mettre tout petit. Mais j'ai marqué ici, au début, j'ai dit 2 cuillères à café de sauce soja. Je vais expliquer plus tard quel type de sauce soja. Mais je vais d'abord mettre un tout petit, plutôt une cuillère à café, je vais mettre dedans. Pas beaucoup, parce que j'aimerais bien garder la couleur très propre, je veux dire. Si vous mettez plus que sauce soja, la couleur va un peu plus noire ou troublée. Donc, je vais mettre ça. Et puis, les restes pour la salinité.
Je vais utiliser du sel. Perfect. No. Madame Che just explained that she's putting a little bit of soy sauce. It's like about 1 coffee spoon of soy sauce because we don't want the broth to change the color. If you put too much soy sauce, the broth will become a little bit like brownish. And what we are trying to achieve is to have a clear, nice color of broth. So a little bit of 1 coffee spoon of soy sauce would be enough. Oui. And of course, we added a little bit of salt as well. Bien sûr, c'est pas du tout grave. Si mon mot, ça m'est égal, c'est pas grave. Je mettrai un peu plus de sauce soja. Il y a pas de problème. Vous mettez un peu plus. Mais moi, aujourd'hui, je vais mettre peut-être une cuillère à café ou 2 cuillères à café. Je vais d'abord goûter. On a une question. Est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'autre au lieu de soy sauce? Du sel. Parfait. Ah, ok. Du sel. Soy sauce, je vais encore plus tard expliquer. Ce n'est pas le soy sauce, sauce soja normal. C'est sauce soja fait pour la soupe. Donc, c'est un peu moins dark, mais je vais vous expliquer après. Actually, we explained that the difference in soy sauce in our video that we prepared before with KCC. So we are using a soy sauce which is special for the soup, but you don't have to use that if you don't like soy sauce. You can actually substitute it with a little bit more salt. And I hope this answers your question, Ludo. Thank you very much for your question. Voilà, et ici. Je mettrai. Il faut, en tout cas, il faut mettre encore un peu plus de sel ou de. Okay. Qu'est-ce que tu préfères? Un peu de. J'aime sauce soja. Ah, ok. Soja. Donc. Encore un tout petit, le reste. Pas beaucoup. Donc, ici, c'est vraiment selon votre goût. Hein? Je ne vais pas dire 3 cuillères ou 1 cuillère. C'est vraiment. Moi, je préfère manger pas trop salé. Alors, c'est comme vous voulez. Actually, it's all about your taste. If you like a little bit salty taste, you can put more salt or more soy sauce. Ouais. If you want a little bit darker color, why not soy sauce as well? But originally, we like to keep the color a little bit clear. Okay. So. Parce comme ça, vous pouvez goûter, vous pouvez voir vraiment pur le bouillon qui donne les anchois et les fruits de mer et les légumes et tout ça. À la maison, ma maman faisait ça. Et ici, on mettait déjà de oignons de printemps et tout dedans. Mm-hmm. Et ça cuit, c'est aussi bon. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on a à part, on a préparé à part. Donc, je vais garder comme ça. Je vais laisser pur ce taco. Et c'est presque terminé. Moi, c'est terminé. Voilà. Super. Ici, c'est, vous pouvez goûter. Vous prenez une toque. Et après, goûter. Si les textures elles sont bien molles, c'est agréable à mâcher et tout ça, ça, c'est déjà prêt. Well, actually, we are finished with cooking. To check if you like the taste of it, just take one of the rice cake and bite it and see if it's chewy enough, soft enough for you to taste it. If you don't find it cooked enough, you can cook a little bit more, but it has to have that kind of a chewy texture. So we are done. Now, Madame Che is going to prepare the presentation, I guess. She's going to dress the bowl. As you know, they eat in Korea traditionally in a big bowl. So she's going to put the tteokguk in the bowl and then put all the garnish on it so that it's going to look very nice. And by the way, don't forget, especially our Zoom participants, don't forget to share the photos of the lovely outcome of today's workshop on the YouTube, I'm sorry, on the Instagram or Facebook of Korean Cultural Centers. You can tag Korean Cultural Center Brussels so that we can enjoy your version of tteokguk as well. So we will be looking forward to seeing that. Voilà. Vous avez aussi presque terminé, hein, j'imagine. Oui. Voilà. Et donc. C'était bien cuit pour moi. Donc, je vais présenter dans une bowl traditionnelle. Ça se voit? It looks amazing, non? Ah, oui. So chic. C'est spécial. Donc, vous prenez une jolie bowl pour servir. C'est pour Madame Gambin.
C'est pour Eileen. Because she doesn't eat red meat. Voilà. Madame Che is so nice and so kind. She's preparing a special one for me as well because I don't eat red meat. But she will show two versions, so voilà. I guess. Mm-hmm. Ah, ok. Alors, peut-être... Si vous voulez, vous pouvez faire votre... Bah, d'abord, je vais présenter original. Je peux goûter après. Oui. Voilà. Et puis, donc, je mettrai ici un peu. Zoom participants are... Oh my God, one of the Zoom participants. Stephanie, you are showing us... Something very nice, soju. It's the traditional drink of Koreans, and that would be great. You are very well prepared. Well done, Stephanie. Voilà. Et puis, donc, ici, je laisse. Prêt. Donc, ici, un peu de viande et l'œuf, et puis oignon de printemps, et puis je mettrai. Voilà. Et puis, avec la cuisine coréenne, on peut jamais oublier kimchi. J'ai amené kakdugi. En fait, c'est une sorte de kimchi qu'on fait plutôt avec le radis. Oh, ça, pour moi, c'est... pour moi, je suis coréenne. C'est pas possible de ne pas... So, our participants, were you able to dress your... bowl, the tteokguk. Are you ready to show it to us? Because we're almost finished. Are you guys finished as well? Can I see the thumbs up? Je vais vous montrer. Well, oui. Alessandra, there are two people, and Alessandra says yes with a thumb up, and there's another comme-ci-comme-ça, almost there. Fanny, are you finished? Well, Madame Che is showing her presentation. That's the bowl that we prepared tonight. Of course, when you serve it, there will be kimchi next to it, obviously. And it's going to look nice and taste delicious. So, wow, Alisa looks great. Look, Alisa did a wonderful job as well. Just, if you have questions, just shoot. We're waiting. You guys worked so hard tonight, and we are really, really happy that you joined us and you made nice comments. And you know, your participation was very, very appreciated. Thank you. Thank you all very much. And don't forget that we have another workshop next week that we will be making the kimchi. So, voilà. Tu veux goûter un peu? Oui. Tu veux d'abord enlever, alors je vais faire un petit portion. Attendez. Well, as I said before, so I'm not eating red meat, so she's so nice to have a small portion for me without the meat. Parce que comme elle mange pas la viande, c'est pas grave, je vais enlever. Looks so yummy. Now my 2021 will be full of wealth, health and longevity because I will be eating this. I am lucky and actually our Zoom participants are very lucky too. I think we will be putting this recipe on the Korean Culture Center profile on Facebook and Instagram so that if you want to do it at home later on, you can always go back and see how you do it. We will give you the ingredients to do that and wow, it looks gorgeous. I'm so happy. I wish I had my telephone with me so that I can take a nice photo. It looks gorgeous. We're gonna make a lovely photo afterwards. Oui. Oh, look how beautiful it looks. J'ai fait pour les gens qui sont végétariennes. Look, this is mine. Peut-être sans gim, et ça aussi une opportunité. C'est aussi une possibilité. Again, it's all up to you how to decorate it. Oh, somebody's already eating. Jihen. Voilà. Tu veux goûter? Oh, please, please. Now I'm going to taste this wonderful tteokguk for you, on behalf of you. And actually, maybe our Zoom participants can join in as well.
Okay, I'll start with the broth. Oui. I'm so excited. It is so refreshing. I mean, ouais. It's no wonder why they do. Oh, well, les gens. Wow, we see that actually. Oui. Oh, c'est super, yeah. Oh, Mathilde. Oh my aussi. God, Mathilde, you did a wonderful job. Oh, Jolene, that's great. Fanny, for two, perfect. Ooh. Oh, I can see Asia. That's great as well. And Alessandra, wow, you guys have lovely bowls. Where did you find those? Wow, Rima, that looks great. The color is wonderful too. Well done, guys. You did a wonderful job. C'est kimchi aussi. Oh, somebody already has a kimchi. I need to taste this again. Oh, this is so oui. Good. Tu veux aussi une baguette avec? Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon? C'est... The talk is so chewy and so nice, soft. Ah. Perfect. Donc, ça pourrait aussi marcher comme par exemple, en Belgique, on aime bien toujours petite portion pour, comme un petit finger food, happiness ou quelque chose, petite portion. Alors, on pourrait faire aussi, une petite bowl, comme ça, on pourrait en hiver, on pourrait aussi manger. Et c'est aussi chouette pour un peu, il y a quelque chose qu'on doit marcher. Guys, can I ask a favor before you guys start eating? No! Can we all show the bowl to your camera photo. So that we can have a group photo of your wonderful, wonderful toku? Please, please, just show it to the camera so that we can see all of them together. Oh. Our Face Live participants will be a little bit jealous. There you go. This is the result. Well done, guys. Bravo. Bravo. I am so proud of you and I'm Annick? So happy. So happy. She has a problem with the video camera. Okay. Yeah. I mean, you guys did a wonderful job. Thank you all very much. And enjoy your dish. We're all going to have a wonderful year. Et comme ça, en Corée, vous avez un an plus. Il faut manger ce plat et comme ça, on aura un an plus. Donc, je ne sais pas si vous préférez un an plus, mais certainement pour les enfants, oui, qu'ils mangent. Maman, je veux encore une portion supplémentaire et tout ça. Et après, il est fier, il va aller devant tous les cousins et cousines. Voilà, moi, j'ai terminé aujourd'hui 3 boules de toku et moi, j'ai 3 ans en plus. Allez, appelle-moi, moi, je suis grand frère. grand frère. C'est comme ça aussi, ça se passe en Corée. Et voilà, maintenant, on a commencé avec un joli plat et on a un an plus. Et puis, on va commencer une très jolie nouvelle année. J'espère que tout sera plus vite que possible. Corona va terminer. Oui. Comme ça, on peut voir tous ensemble, pas online, mais sur ici, KCC. Well, actually, I just want to translate a little bit. Actually, when you eat this in Korea, they say that you grow 1 year older. Eating this gives you another age. And actually, children love it and they kind of get into competition with each other, saying that I ate 2 big bowls, you ate 3 big bowls. So whoever has the most has the right to claim that he is the biggest brother because he has eaten lots of très fier. And actually, before I forget, Madame Che told me before that eating tteokguk gives you another age. And as we all know, Korean culture is a hierarchical culture. Ouais, so oui, the respect, the age is important. For us Europeans, maybe it's interesting if somebody that we don't know immediately asks, how old are you? Because as a woman especially, you don't like that kind of a question. But in Korea, it's very normal and it's very traditional because you need to know how old that person is so that you can adjust the way you address to that person. If that person is older than you, you have to show respect. So
A nice way to ask how old are you is not to say how old are you in any language, but to say how many bowls of tokuk have you eaten so far? Oui, bon, bien sûr, à l'époque, tokuk, c'était un plat très, très, très spécial, mm-hmm. tandis que maintenant, on peut manger un peu plus librement. Et puis, donc, c'est pas... Je peux dire ça... avec mes amis, c'est un petit jeu, l'ancien. Hein? Mm-hmm. C'est, ça passe encore entre les personnes âgées, par exemple. Allez, vous avez mangé combien de tokuk? Et ça, ça se passe. Mais avec mon âge, en fait, je ne parle pas beaucoup maintenant. Okay. Mais quand même, ça existe ce type de phrase. Quel âge tu as? Quel âge avez-vous? Combien vous avez mangé tokuk? Ça veut dire, oui, j'ai mangé 72 boules. J'ai 72 ans. Mais bon, ça c'est une petite histoire aussi que pour montrer que le tokuk à l'époque c'était très très grand plat pour nous et c'est très représentant, oui c'est ça. Oui. Et puis voilà, donc c'est toujours chouette d'entendre cette histoire comme ça, c'est pas simplement une recette mais plus qu'une recette. Exactement. Exactement. Voilà, une culture. Actually, today we made tokuk with you, but it's not just about the food that we were cooking. We tried to give you some information about the cultural aspect of this lovely dish as well. If you want to know more about the Korean culture, you can always follow Korean Culture Center Brussels YouTube, Facebook, or Instagram pages where you can learn about the culture, the food, the traditional dance, the traditional musical instruments, or the exhibitions. You can come and visit with a reservation, obviously, due to COVID. Et il ne faut pas oublier pour la séance suivante. Of course. Kimchi la semaine prochaine. Yes, we're going to make kimchi next week on the 24th of February. You have to sign up for the Zoom session. And obviously you have to be in Brussels because that's the only way we can bring or give you the ingredients for the Zoom participants. So if you want to participate living in Brussels, why don't you just sign up, go to the Facebook page of Korean Culture Center Brussels and you have all the information about how to do that so that we can be together next week to make kimchi with you guys. I can see lovely comments from the Zoom participants. Joel says, thank you so much, it was lots of fun and the dish is delicious. We are so happy that you enjoyed it. And thanks to both of you for a great workshop in Korean Culture Center Brussels for organizing. You guys made our day. I think that was worth it. Oh, somebody, they started clapping as well. Thank you all very, very much. I would like to thank all the participants that were with us in Zoom, all the participants who watched us on Face Live, and I would like to thank Miss Che et à la semaine prochaine. Normally, with this wonderful food and with her lovely participation as well. Voilà. So we would like to see you next time doing kimchi together. So don't forget, 24th of February, Korean Culture Center Brussels is waiting for you to join on Zoom or on Face Live. Let's make kimchi together. Yay. Yes, bye-bye. Have a lovely evening. Thanks again. Bon appétit. Bon appétit. Smakelijk. Enjoy your meal.